Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir dans la texture actuelle, ah ouais, ça fait vraiment bizarre de plus avoir les shaders. Mais bon, il n'y avait plus trop le choix. L'idée était quand même d'aller profiter des dernières versions de Minecraft et en particulier de retourner dans le jardin pâle de nuit. Ouais, je sais pas si c'est une très bonne idée en fait. Même si j'ai amené avec moi pas mal d'animaux. Il y a une meute de loups. Vous venez peut-être de l'entendre. Il y a aussi un chat et... Waouh! Non, les creepers. Et il y a aussi... Hop! Allez, va se faire bouffer. Et il y a aussi un perroquet que j'ai trouvé sur la route, hein. Il n'était pas avec moi. Non, non, on va éviter l'Enderman. Alors, je suis retourné au jardin pâle, mais je suis un peu perdu là. Donc, il faut que je retrouve. Voilà, ça c'était le spot où ça avait pris feu. Et il faut que j'aille par ici, si je me souviens bien. Le jardin pâle est plus haut. Oh, il y a du monde, il y a du monde. En même temps, j'aurais pu peut-être essayer d'y aller. Voilà, la limite du jardin pâle. Ça fait mal. Et je crois voir la lumière là-bas. Qui est donc l'emplacement où j'avais fait ma petite cabane. Est-ce bien ça? Oui, il pourrait pas y avoir des lumières comme ça. Pour rien. Ouais, c'est bien ça. Allez, on y retourne. L'idée, c'était de pouvoir retrouver les High Blossom, parce que donc là, maintenant, dans cette version-là, je devrais avoir les fleurs devraient être présentes. Oh la vache, mais j'avais pas fait gaffe, mais j'ai très faim là. Hop. Et alors, je comprends pas bien pourquoi, mais je me prends des dégâts de chute à chaque fois que je saute, alors que potentiellement j'ai rien qui devrait entraîner ce genre de choses. Bon. Si je suis venu là aussi, c'est pour trouver le creaking. Et potentiellement tenter de trouver aussi un cœur de résine. Mais pour l'instant, rien du tout. Et surtout pas de fleurs, c'est quoi ce délire? Pourquoi est-ce que j'ai pas de fleurs? On passe, on passe. On passe. J'ai pas mal. Non. Rien du tout. J'avais mis une torche sur ce qui me semblait être... Vous voyez, je viens de me prendre encore un coup. Qui me semblait être le cœur. Mais non. C'était étonnant. Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les fleurs?
Le chat il s'est déjà foutu au lit. Ah bah oui. Ouais, il y a des monstres à proximité. Allez, on va se poser et on va voir ce qui se passe. Au réveil, j'ai l'impression que le monde qui s'est régénéré n'est pas dans le bon état. Peut-être que je me trompe. Bon, c'est potentiellement pas très intéressant ça. Qu'est-ce que je vais aller voir alors? Parce que donc là on est en plein jour, et bien j'aimerais bien trouver des fleurs quand même. Là, ça crame. Ici, ça nous intéresse pas. Bon, le creeper, on va peut-être le laisser à sa place. Ah! Non. Ce bruit-là, oui, ce sont des squelettes. Eh, mais moi je frappe les loups, n'importe quoi. Au lieu de frapper le squelette. Lui il va crever avant. Bon, non, mais je suis là, c'est pas possible en fait. Il n'y a juste pas une seule fleur dans cette forêt pâle. Donc là, il y a eu quelque chose, il y a un problème avec la régénération. Bon, ben moi qui voulais vous montrer ceci qui était donc normalement apparu avec la snapshot 24W44 ou 45. Et eh bien malheureusement, on ne l'aura pas en direct. Ce jardin pâle n'a pas de fleurs, pas d'eye blossom. On va refermer au cas où on ait besoin de revenir par ici. Ah non, mais c'est vraiment dégueu. Et là, je ressors, oui, c'est ça. Ok. On refait un petit tour. Histoire de passer une journée complète dans cet environnement. Mais sérieux, pourquoi je prends des dégâts de chute pour 3 cases, quoi? Il y a un bug sur cette version pré-release 2. Ah ouais, non, mais là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème, et moi, je n'ai pas mes fleurs. Pas une seule fleur. Bon, il va falloir donner à manger au loup, qui sont en train de se casser les dents. Alors, dans quel état ils sont? Ah oui, alors on va essayer de voir. Jaune et rouge. Le bébé est un orange. Ah, ça, ça fonctionne. Donc ça, ça avait été prévu et annoncé. Alors, voilà, ils sont équipés avec leurs armures. On verra pas le changement de couleur. Donc ça, ça fonctionne. Les chats, il faudrait que je le fasse. Mais d'ailleurs, je vais peut-être te donner à manger, toi, le chat. Tu sois encore en état. Oui. Ils ont une drôle d'attitude, les chats, quand on leur donne à manger. Ils sont bons.
Bon, bah pas d'ail blossom. Je suis deg. Je suis vert. Ah, ça me gonfle. Ouais, sans déconner, hein. Je prends vraiment des dégâts. Et eux aussi derrière, ils en prennent pas mal. J'ai d'entendre le chat qui ronronne, mais... Allez, on va essayer de récupérer quelques plants. Voilà, des... de chêne pâle, j'en ai fait pousser dans mon village principal. Et ça a fonctionné, ça a poussé. Ah, c'est sympa ça. Oh, mais c'est pas vrai. Bon, ben. Je crois que j'ai fait mon petit tour. Et je crois que. Alors, soit c'est lié à ma partie qui est passée par diverses snapshots. Parce que cette partie-là, je la joue depuis le mois d'octobre, donc ça fait déjà un mois, je crois, que je suis dessus. Je suis arrivé au 193e jour dans le jeu. Assez content. Oula! Qu'est-ce que c'était quoi ça? Ah non. C'est un zombie. Pouah, ça démarre. Le creaking, il n'y en a toujours pas, et il n'y en aura pas, il n'y a pas de fleurs. Je suis deg. Bon, ben on va se partir, on va partir de là, hein. On va retourner au village. En essayant de ne pas mourir bêtement. Ce qui n'est pas gagné. Et on va attendre. Oh mais non, mais sans déconner. Je peux pas jouer avec des dégâts de chute pour deux cas, deux blocs. Un bloc ça va, deux blocs je meurs. Voilà. Non, il y a un problème là. Allez, on s'enfuit. Retour au village. Non, sans passer par ici pour ramener ça à mes paysans. Faut aussi que je fabrique un golem, ne serait-ce que pour avoir la réussite. Ça, on va en prendre un peu aussi. On sait jamais, on pourrait croiser un panda sur le retour. Les pastèques, je vais les laisser. Tiens, quand on parle du loup, ils sont là, nos amis les pandas. Tiens, jeune homme, t'es où le deuxième? Mais il y en a un. Mais vous êtes quatre? Eh ben dis donc. Hop. Allez. Eh bien ça va faire 4, 5. Eh ben ici c'est bon. Voilà, amusez-vous bien. Allez, nous on est reparti. Ah zut, je suis en train de me dire, mais comment est-ce que j'arrive à faire ça avec une pioche? Encore deux ici? C'est pas les mêmes.
Ah, donc là, ils se goinfrent, mais ils ont quand même fait un petit. Ok. On se fait une petite photo avec les pandas quand même. Oh, ça n'a pas duré longtemps là. Voilà. Je sais plus par où je pars par contre. Et voilà, bientôt la nuit. Super. On va essayer par là. Oui, on s'en sort. Ah, encore un autre ici. Est-ce que lui va bien vouloir? Oula. Beaucoup plus compliqué. Non. Tant pis. Et toujours ces dégâts. Ça me gonfle. Allez, on sort de là. Par ici, c'est tout bon. Oh purée, un trou. Je pense qu'on va être bon et que le retour c'est par là-bas. Bon ben voilà. Je ne sais pas si c'est la snapshot. Oh purée. Qui a cassé ma partie. Donc la pré-release 2 sur laquelle je suis. Est-ce que c'est le fait d'avoir été. Oula. D'avoir été voir le jardin pâle. Oui, bah allez-y, frappez et tirez-moi dessus, de toute façon. Dans une version précédente et que la nouvelle version n'est plus du tout la même, je ne sais pas. Toujours est-il que je reste sur ma partie en hardcore et je vais attendre avec impatience la sortie de la prochaine version. 1.21.4 complète, finalisée. Mon avis, c'est pour bientôt. Sauf si ce que je suis en train de subir est un bug et qu'effectivement il faudra le corriger. Mais ça, on verra plus tard. Allez, on se dépêche d'aller jusqu'au village. Et puis on se dira au revoir là-bas. C'est parti. Voilà, le village qui commence, on va dire, à stagner un petit peu. Il y a du monde. Il y a quand même pas mal de villageois, mais plus trop de métiers. Ce qui va me manquer et ce qui serait intéressant à trouver prochainement, c'est quand même un alchimiste. Donc pour ça, je me dis que il serait peut-être bon de descendre dans la chambre des épreuves qui nous attend un peu plus loin là-bas, là où on voit la lumière. Une fois qu'on aura trouvé un alambic, il nous faudra des bâtons de blaze que l'on ira chercher, je l'espère, par le biais de ce portail du Nether. Mais je dois vous avouer que si je prends des dégâts de chute rien qu'en sautant deux blocs, je vais pas aller très loin. Et donc ça va certainement pas se faire tout de suite. J'espère qu'il y aura une correction à ce bug. Parce que sinon ça va être un peu compliqué.
Allez les loups, vous avez le droit de vous poser ici. Hop, hop. Voilà. Et moi, je vais... Ah, toi, t'as besoin de manger, toi. Je vais... Ah bah oh, dis donc, il y en a plein qui sont comme moi. Un peu amochés. Et qui prennent des dégâts, semble-t-il, assez rapidement. Voilà. Allez, tout le monde se pose. Toi aussi. Le chat, il est là. Je n'ai qu'un chat. Et toi, tu vas venir avec moi. Et on va pouvoir aller là. Voilà, bah écoutez, à très bientôt pour... Eh, s'il te plaît. Des nouvelles aventures. On va attendre peut-être... une prochaine pré-release ou la version finale qui va nous permettre de corriger les quelques bugs qu'on a pu rencontrer là. Je vous dis à très bientôt. Salut !